Je suis allé un gros, ce qu'on appelle l'évolution du bassin, c'est-à-dire qu'il a, on appelle ça aussi une fracture du bassin, enfin il a une lésion très importante dans sa croix iliaque, il a fait 6 mois de boxe, donc forcément tout ça, il y a des remaniements, c'est pas aussi simple. Bon, tout de suite il est très bien, il est tout à fait, si on n'est pas au courant, on peut pas savoir qu'il y a eu tout ça, mais il y a quand même tout ce passif qui est là et. Donc j'ai pas trop envie de faire des plans sur la comète ni de compter les œufs dans le cul de la poule avec lui. Je préfère on prend au jour le jour. Pour l'instant, il est apte à faire sa rentrée. Continuez de trotter, les uns derrière les autres. Que je vois tout le monde là. On peut pas dire qu'il soit davantage sous surveillance qu'un autre, mais bon ben on est à l'affût du plus petit truc, qu'on le serait peut-être moins avec d'autres, où on n'a pas de raison de. Il n'y a pas les mêmes antécédents. Là, il faut quand même veiller tout signe avant-coureur pour éviter d'être dans une spirale destructrice. Voilà. Si on a quoi que ce soit qui nous prévient, il faut qu'on en tienne compte, quoi. Donc c'est pour ça que, comme il a travaillé fort mercredi, le cheval, bon, hier il a récupéré, il a juste fait un petit décrassage. Hier jeudi, aujourd'hui, vendredi, il a refait un canter normal. Bon, le cheval, il lui montrait beaucoup d'engouement, il était rageur, il emmenait. Il a emmené sa cavalière, donc c'est pas, on peut pas dire qu'il soit, on peut pas dire qu'il soit que ça n'aille pas. Mais chaque petite chose est importante. Et comme je me méfie beaucoup et comme je fais comme si ça allait pas aller, parce que je préfère avoir des bonnes surprises que des mauvaises, j'évite de me projeter trop. Voilà, donc je suis à l'affût de tout, tout ce qui peut m'apporter un élément qui fasse que je puisse apporter des petites choses dans son travail. De l'anticipation dans l'échauffement, dans des choses comme ça qui éviteraient de créer de la dissymétrie quelque part. Le cheval reste un animal qui a quatre jambes, il faut qu'il travaille sur ses quatre bielles. Et à partir du moment où il y a de la dissymétrie qui se crée, on l'amplifie si on n'adapte pas la façon de travailler pour éviter d'utiliser des allures symétriques pour justement qui vont créer de la dissymétrie. Comme le galop n'est pas une allure symétrique, on peut éviter en évitant de trotter les chevaux, des choses comme ça, en tout cas à froid. De créer soi-même, nous-mêmes de la dissymétrie, le galop faisant que on peut anticiper un petit peu et faire que ça va aller mieux, le cheval s'échauffant, disons plus naturellement, parce que c'est une allure plus naturelle. Quand un cheval, on le lâche en liberté dans un pré, il passe du pas au galop, il ne se met pas à trotter d'abord. Nous, on s'en sert comme échauffement et comme système de soumission, mais le cheval n'utilise le trot dans un pré que pour passer du galop au pas, en réalité, quand il est chaud. Donc là, quand il est chaud, le cheval, on l'a vu trotter, il est parfaitement carré, donc il n'y a pas de problème. Mais j'essaye d'anticiper pour qu'à chaque fois, à partir du moment où c'est le même cavalier qui l'a tout le temps, ça permet, autant que faire se peut, de voir s'il y a une petite chose qui diffère. Et en fait, le cheval, il va entrer dans la zone rouge, entre guillemets, quand il va se rapprocher de sa condition optimale. Les chevaux, ils ne sont pas fragiles quand ils n'ont pas beaucoup, quand ils sont pas à la condition optimale. Plus on se rapproche de la date de la course et plus ils sont en zone de fragilité. Quand il a ressauté, il a donné de l'envie. Beaucoup d'envie quand il a ressauté. Il a commencé à ressauter déjà il y a un certain temps. J'ai attendu qu'il ait une bonne, qu'il soit bien, déjà bien, bien musclé, etc., pour pas faire d'efforts inutiles. Et non, non, il a absolument aucune appréhension. Il a même de l'envie. D'ailleurs, il a ressauté déjà de façon un peu sérieuse et il était, je dirais pas qu'il trimbalait, mais enfin, il voulait y aller, quoi. C'est quand même des chevaux de course par nature. Uniquement les. Pour l'instant, il a ressauté avec les haies, vu qu'il va courir qu'en haies. Et d'abord, le steep, il. Le steep, c'est juste pour que les chevaux, au départ, on les dresse beaucoup pour qu'ils fassent la différence entre des obstacles très différents comme un bullfinch et un mur. Un bullfinch qu'il faut traverser, un mur qu'il faut respecter, c'est simplement pour qu'ils fassent le distinguo. Mais les chevaux comme lui, ils ont besoin de sauter le steep 50 fois. Hein. Le steep d'Auteuil, il le connaît comme sa poche. Donc il y a juste peut-être besoin pour qu'il, si jamais il manquait de fluidité en haie en débutant, mais enfin, quand il aura sauté le steep une fois, s'il recourt en steep après, je dis bien si, parce qu'on est quand même au royaume du conditionnel, il va sauter, mais il ne va pas sauter de façon outrancière, ça ne servira strictement à rien. Oui, mais il connaît son boulot et puis je vais un petit peu différer avec lui, je vais lui éviter les poussées un peu trop, l'utilisation de la puissance de son bassin, je vais éviter, parce que c'est quand même là le siège de son problème sur le sacro-iliac, donc je vais éviter de lui faire sauter des obstacles où il doit développer une puissance maximale, il le fera le jour des courses. Si on va jusque-là, ça ne sert à rien de lui faire des choses qu'il connaît. On va juste faire une petite révision. Mais on ne peut pas arriver par le même chemin. D'abord, le cheval a pris de l'âge aussi maintenant. C'est pas pareil. Les vieux tontons comme ça, ils connaissent la musique. On n'a pas besoin de les. Même on ferait un mauvais travail, on les rendrait.
on les rendrait beaucoup plus avec moins d'envie. Il faut leur cultiver un peu d'envie. Pas non plus passer dans l'excès pour qu'ils soient trop brillants, parce que c'est pas bon non plus. Pour gagner un grand steeple, il faut un cheval qui ait des ressources à la fin. Donc pour ça, il ne faut pas qu'il ait jeté ses forces vives dans la bataille n'importe comment. Donc il faut aussi le matin veiller à ce que le cheval soit au bouton et surtout pas trop tendu. Par rapport à son travail de l'autre jour, là, à froid, il est en partant au trot, il n'y a pas de différence. Non, il est bien ici, c'est pareil. Non, du tout non. Non. Il n'a pas accusé du tout. Non, c'est pas l'intention. Non, il paraît normal, et puis il a le moral, il chante toujours autant. Non, ça va. Ok, parfait. Ouais, c'est une rentrée. Bon, maintenant le cheval le matin, sur ce que je lui demande, il faut bien comprendre que je ne vais pas le mettre dans ses retranchements maintenant, parce qu'il me restera quoi après. Si je veux essayer d'avancer un peu, il faut que j'aille avec une certaine parcimonie, et avec un dosage suffisant pour que, évidemment, il soit capable de courir correctement, évidemment, mais il ne peut pas être 100% prêt pour gagner, c'est pas possible.